Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui c'est lundi et comme d'habitude le lundi, du lourd, du très très lourd, une méga migration, du drama comme jamais, un KVK de ouf et aussi un joli petit bug. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous ne pouvez pas le rater, faites-vous plaisir, venez nous rejoindre sur le Discord. Vous y retrouvez tous les screens que vous voyez dans la vidéo et tous les échanges sur tous les jeux que vous voyez sur ma chaîne. Les amis, on va commencer avec ce petit bug des familles. Hein. Il fait bien plaisir ce bug, regardez ça, regardez ma puissance. Elle est à 82 378 842. Et si vous cliquez sur mon avatar, ma puissance est de 96 643 063. Ça fait plaisir. Si vous avez des bugs comme ça, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Hein, la petite chasse aux bugs. Là, c'est assez simple à résoudre. Pourquoi il y a ce bug-là? Tout simplement car j'ai récupéré mes troupes qui sont mortes. 50% de mes troupes qui sont mortes. Regardez lors du KVK, si on va en favori. Vous le voyez, j'ai récupéré tout ça. Donc, j'ai récupéré genre un peu plus d'un million de T5 et un peu plus de 400 000 de T4 et puis divers petites troupes. En tout cas, j'ai tout récupéré, il me le dit, voilà, j'ai récupéré 1 739 369 troupes. C'est pour ça, comme il a du mal à compter, il me laisse à 82 millions pour le moment, mais ça ne change rien. Les amis, go. D'ailleurs, est-ce qu'on est toujours Imperium? Est-ce qu'on est repassé Imperium du coup? 1250, non, on a réussi à ne pas rester, à ne pas être Imperium. Ce qui fait qu'on va avoir une grande migration, de grosses migrations. On va en parler des migrations. Mais avant cela, regardons les events. Hein. Sur le calendrier, il n'y a rien à venir d'intéressant, sauf la crise de Ceroli, bien évidemment. N'oubliez pas de télécharger pour avoir des petites récompenses. Ça fait toujours plaisir. Mais surtout, on a la maison d'Esmeralda. Je vous le rappelle, elle ne dure malheureusement que 2 jours. Il reste donc 1 jour, 17h, 21 minutes et 7 secondes très précisément. Encore une fois, la maison d'Esmeralda, c'est un event rentable, soit si vous avez de la chance, soit si vous allez au moins au palier du 10 avec les 2 coffres de choix de matériaux. C'est pas l'event le plus ouf, hein. Les œufs, là, la petite event des œufs, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Il est plus rentable, mais celui-là est déjà pas mal. On fait le petit tour gratuit, 75 chances aujourd'hui. Les mecs qui font 75 tours, ils sont déter. Je fais donc, j'ai que 2 jours, hein. Faut que je fasse aussi mon tour gratuit. Et demain, je devrais taper un tour à 5. Donc un premier tour, tout naze. Un second tour, tout naze aussi. On verra demain si j'ai plus de chance. Et puis, terminer le plan où il faut récolter, acheter des trucs, d'aller dans le canyon, etc. Bon, les events classiques. Les amis, parlons peu, parlons bien, parlons de ce nouveau skin qui va arriver pour le Zénith du Pouvoir. Il a été dévoilé hier sur Facebook et il est ultra lourd. Alors, il a été dévoilé au travers d'un screen assez médiocre en qualité. Regardez ce screen. Je ne sais pas d'où vient ce screen. On pourrait croire que c'est directement chez Lilith lors d'une présentation qu'ils ont lâché ce screen auprès de tous les employés qui montrent ce qui va arriver. Franchement, ce skin, il est sympa déjà. Esthétiquement, il paraît pas mal. Est-ce qu'il l'est ou pas? On le verra in-game. En tout cas, en photo, il a l'air pas mal. Et surtout, les amis, les bonus sont tout bonnement énormissimes. C'est l'un des meilleurs skins en termes de bonus que j'ai vu. Défense de troupes, plus 8%. Plus 8% défense, franchement, c'est du très très lourd. Plus 5% en attaque et moins... Non, plus 5% en expérience, pardon. Et moins 10% en attaque de cavalerie. Franchement, c'est de l'ultra lourd. Le défense de troupes, plus 8. Alors, autant l'expérience, plus 5, on s'en fout. L'attaque de la cave, moins 10. La cavalerie, moins 10, on s'en fout aussi. Mais là, la défense de troupes, quand vous êtes en défense, ça va être très très lourd. Ce skin-là va être une obligation pour tous ceux qui vont être des leaders en défense. Franchement, ça donne envie de l'avoir, mais sur mon royaume, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des très très gros joueurs, et surtout sur mon continent, regardez, sur mon continent, moi, j'ai nos amis du 1254, hein, et le 1254, ils ne plaisantent pas. Leur KVK n'est pas encore fini au 1254, à 1075,
n'est plus Imperium, il en reste plus que 3. Alors d'ailleurs, je vous le demandais et je vous le disais, qui va avoir la ziggourate sur ce KVK là? On va en parler de ce KVK, on va parler du 1264 et du 1075, mais avant, regardons qui a eu la ziggourate. Le moins méritant aurait été le 1556. Est-ce que la ziggourate a été prise par l'un d'entre eux? On va le voir. Pour le moment, la ziggourate n'a aucune alliance. Ils ne l'ont pas encore prise. Donc très probablement, on le verra en fin de journée. Lorsque vous verrez cette vidéo, la ziggourate sera prise. Vous pourrez aller voir qui va l'avoir. Moi, je pense quand même que le plus méritant serait soit le 1846 hein, au nord, soit le 64 au sud. Hein. On va bien voir qu'il y a même le 1093. Hein. L'un de ces trois-là, mais le moins méritant, reste le 1556 parce qu'il n'a pas eu à se battre. Reparlons donc hein, du 1254 et du 1075 qui nous a donné le drama du week-end. Le 1075 hein, qui est resté bloqué tout ce KVK là, c'est le serveur avec les SW. Alors je cherche les SW, c'est l'alliance de notre ami Shizgul. Est-ce qu'elle est encore là? Alors on va aller sur la coalition, celle qui tient ça. Ah non, parce que ça a déjà été pris par les WIB, hein, normalement, si je dis pas de bêtises. Hein, non, ils n'ont pas encore ouvert, donc c'est pris par personne. Donc on va regarder la coalition. Hop là, coalition, membre de la coalition. Et on a les SW et A, ils sont renommés, c'est pour ça. Donc, il n'y avait pas le « et » avant, membre de l'alliance. Donc, c'est l'alliance de notre ami Shizgul, hein, le Smash Squad. Eh bien, regardez, ils le disent, ils vont bouger sur le 254. Si vous êtes intéressé, Cortex ou Ruse, hein, qu'il faut Ruse, c'est pareil. Donc, il faut les contacter. Mais regardez, ça nous a offert un drama de ouf puisqu'on a eu ce message de Shizgul. Alors, excusez-moi pour la qualité. Je n'ai pas réussi à l'avoir en bonne qualité où il annonce son départ, en fait, où il dit pourquoi il part, c'est pour continuer le jeu, etc., etc. Ce qui est tout à fait compréhensible. Hein. Il faut savoir que Shizgul, c'est l'un des très rares, très gros joueurs streamers à ne, si ce n'est le seul à ma connaissance, à ne pas avoir migré de serveur depuis son commencement. Il a commencé, à ma connaissance, sur le 1075 et depuis, il n'a pas bougé. Donc, lui et toute son alliance bougent sur le 1254. 1254 qui, pour l'instant, est impermis. On va sortir de ce statut-là. Serveur de Bunny, un serveur énormissime. Et avec l'arrivée d'une alliance à 12 milliards, ça va donner un truc de ouf. Regardons actuellement la coalition sur le... Et en plus, il bouge avec tout le monde. Hein. Donc, regardez, si c'est tout le Smash Squad qui bouge, regardons la coalition. Il y a moyen qu'il y ait au moins 20 milliards qui arrivent. Enfin, ils vont baisser leur puissance pour y aller. Mais au moins 20 milliards qui arrivent sur le serveur 1254. Hein, ce qui va en faire peut-être le plus puissant serveur de tout rock. Regardons la coalition, ils ont bien baissé leur puissance, hein. Les TR, les Libres, les SX, les SX01 également, mais c'est une sub. Donc là, ils auront 4 ou 5 très très grosses alliances, ça va être énormissime. Si on compare au 1846 qui est actuellement, je crois, l'un, si ce n'est le plus puissant en puissance intrinsèque, eh ben, il n'y a plus de coalition qui tient la forteresse croisée, si, la 846. Regardez, 12, 10, 10 et 2, mais ils ont une troisième alliance, hein, puisque là, il en manque une quatrième alliance. Donc, normalement, si je ne dis pas de bêtises, peut-être que le 1254 deviendrait sur le papier le serveur le plus puissant, sachant que le 1075, c'est vraiment un serveur de fight. Et donc, cette annonce de migration à générer du drama. Regardez ce genre de post hein, qu'on a eu sur Facebook. Hein. Où certains critiquent le choix de Shizgul. Il faut savoir que c'est sûr, quand un gros joueur emblématique comme Shizgul migre, ça fait forcément des vagues. Il faut savoir déjà que le 1075 va probablement mourir suite à cette migration. Mais d'un autre côté, moi je comprends Shizgul, j'ai moi-même migré plusieurs fois avant d'atterrir sur un royaume qui me convenait. Maintenant, Shizgul n'arriverait pas à recruter suffisamment pour faire de son serveur un top 5 ou un top 3. La bonne solution est donc pour lui d'aller sur un serveur déjà dans le top 3 ou le top 5 et de le renforcer pour faire un top 1. Là, c'est sûr qu'avec ce genre de migration, ils vont devenir énormissimes.
C'était le gros mercato hein, du week-end. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Le 1254 va devoir quitter son statut Imperium, tout simplement. Donc, ils vont devoir se suicider en masse pour que le 1075 puisse migrer. Ça a été annoncé. À mon avis, ça va se faire dans les 15 jours qui viennent. On regardera les scores, le tracking de puissance, voir s'ils arrivent à éclater les scores et les plafonds, voir vraiment si ça va devenir très impressionnant ou pas. Et surtout, le prochain KVK, s'il retombe contre le 15-56 ou le 18-46, ça ne sera pas du tout la même à mon avis. Fonçons à présent sur le 18-60 avec cette ouverture de porte qu'on a suivie. On a laissé le week-end passer. Le 18-60 est toujours Imperium. Allons voir tout de suite ce qui se passe. 12 jours, 6h, 47 minutes et 3 secondes. On va voir tout de suite si le 18-60 a réussi à enfermer son adversaire en haut à gauche, ce qui est probable. Regardons en Benguela, le 1860 est sorti. Ils sont sortis, ils sont tellement bien sortis. Regardez, ils ont entouré partout, mais pas tout à fait enfermé encore. Regardez, il y a encore une porte qui est là. Il y a une forteresse. Alors la forteresse, celle-là, à qui est-elle? Eh bien, elle est bien au 82 sur le côté. Et elle est en train de brûler, ils vont être enfermés. Cette porte-là, à mon avis, ça va brûler dans tous les sens ici, dès qu'il va avoir des zones de contact. Il n'y en a pas encore. Ah, ils les ont enfermés de loin. Ils ne les ont pas encore collés. Et ils ont encore cette zone-là et pratiquement, même un accès, pas pratiquement, ils ont toujours un accès à la porte. Il va falloir que ça avance de ce côté-là. Après, il y a peut-être eu un accord, car c'est étonnant qu'ils ne se touchent plus et étonnant qu'ils n'avancent plus. Donc, il y a peut-être eu un accord. Si vous êtes sur ce KVK-là, n'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a eu un accord pour les laisser. Parce que c'est assez étonnant hein, d'avoir laissé ce petit passage-là et d'avoir laissé ce passage aussi-là, cette zone-là. Peut-être ils vont les détruire par la suite. Est-ce que c'est une forteresse qui est en construction? Elle est finie? Non, elle est parfaitement finie. Donc, ils pourraient les détruire tranquillement, mais ils les laissent. Intéressant à voir. De l'autre côté, au sud, pas de combat, puisqu'ils sont avec un allié. On va de l'autre côté en Clarence, pareil, pas de combat puisque le bleu et le violet sont alliés. Au sud en Villa Villa, eh bien c'est la même, hein. On n'a pas de combat sur cette zone-là. Vous voyez, il y a très peu de zones de combat comme je vous le disais. En Leverkusen, c'est le royaume qui est sorti au sud aussi avec son allié en Dimbroco. En Okuri, eh bien il y aurait dû avoir du combat. Mais forcément, le royaume bleu, Sion même, en San Pedro, n'est pas sorti du coup. Hein, tout va se passer en bêta faux. De l'autre côté, en revanche, alors regardez cette soirée-là, c'est la fête de la forteresse. Je vous le disais dans la précédente vidéo, il faudrait qu'il y ait un patch pour interdire la construction de forteresse en dehors de la zone de départ. Puisque là, regardez combien il y a de forteresses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 forteresses sur ce petit écran-là quand même. Et on a déjà vu pire hein, sur le KVK du 10-75 avec le 10-93. On en avait 31 sur juste un écran comme ça. C'est assez abusé. Donc là, forcément, pourquoi font-ils ça? Pour se garder un accès à cette porte-là, hein, cette porte qui ne va pas ouvrir tout de suite. Hein, elle va ouvrir dans une semaine, si je ne dis pas de bêtises. Et donc forcément, ils veulent empêcher leurs adversaires d'avancer. Et il y a toujours de la fight. Hein. Les mecs sont encore là. Regardez, ça va se battre ici jusqu'à la mort. C'est le côté le plus intéressant. Hein. Faut pas se leurrer. Si vous voulez voir du combat, de la fight, c'est là que vous devez aller. Donc on a des forteresses qui brûlent. Alors attendez, on va dézoomer un petit peu puisqu'on voit plus les zones de combat. Ouais, le combat pour le moment à 7h, très matinal. Après, ils ont sûrement un décalage. Se déroule ici. Et putain, les mecs, ils reviennent d'où là tous? Ils vont où? Il y a une zone de combat là? Non, ils vont au front. Ça se fight un peu partout et ils envahissent partout pour détruire. Très simple, hein, ils vont devoir aller tout chercher et aller les repousser. Ah bah d'ailleurs, celle-là, elle a été détruite ou elle brûle? Non, elle est pas encore. Non, elle est en train d'être posée. Donc il faut que les mecs arrivent pour réussir à repousser tout ça. Vraiment très impressionnant sur ce côté-là. Les mecs ne sont pas les plus gros royaumes, mais ils ne lâchent rien. En même temps que je vous parle, je regarde toute la zone. Malheureusement, pour lui, le royaume ancien en San Pedro ne va pas réussir à tenir la porte avant son ouverture. Et donc, on aura un combat en bête à faux qui va opposer un royaume, le violet, face... Ah non, même pas, puisque le rouge, il a repoussé. Non, il ne va pas avoir de combat en bête à faux. Hein. Il devrait être détente. On va voir comment ça va se passer. Ça devrait donc se passer, si on regarde en Kalcha, ils n'y ont pas été. Ça devrait donc se passer, surtout en Terre du Roi, le plus gros combat. Donc sûrement le combat final qui va avoir lieu en Terre du Roi.
faudra suivre ça. En tout cas, moi, je ne manquerai pas de vous en faire un retour, les amis. Poursuivons rapidement avec un autre KVK qu'on a déjà suivi le S en saison 2, le S2 1041 qui continue d'avancer. Hein. Vous le voyez, un des royaumes a perdu son statut Imperium. Donc c'est fini, c'était le 2342 je crois qui était Imperium, le 2336 ne l'était pas. On a eu aussi une ouverture et donc des grosses guerres sur ce côté-là. Et si vous regardez, donc en théorie, le royaume le plus puissant en Benguela a enfermé le jaune au sud. Hein. Au nord, il est avec son allié, donc il est détente. Le jaune, lui, au sud, est sorti tranquillement puisqu'il est avec son allié en Villa Villa. Ils ont bloqué le royaume au San Pedro. Alors, le royaume au San Pedro, malheureusement, il me rappelle le 1075. C'est une bonne victime. Il est totalement enfermé des deux côtés. Donc, il n'y aura pas de combat en Macha. San Pedro, pour eux, c'est quasi fini. Il peut malheureusement rentrer chez eux. En Sakaka, on a deux alliés. Donc, pas de combat puisqu'ils tiennent le terrain. Et pour finir, en La Havane, le violet et le cyan bloquent l'orange qui est sorti au sud. Donc, on va avoir plusieurs grosses zones de fight qu'il va falloir suivre. En Okuri, ce KVK va être vraiment énorme ici. Mais ces royaumes sont vraiment très prometteur. En Okuri, on va avoir un gros bloc de combat puisqu'on va avoir le rose et l'orange face au cyan et au violet. Et c'est là que le bleu va pouvoir tenter une sortie. Quand ils vont être occupés sur Okuri, il va peut-être pouvoir sortir. Sachant que le violet et le cyan dominent le orange, hein, c'est vraiment le rose qui fera la différence ou pas. Et de l'autre côté, hein, on va avoir donc en Macha, on n'aura probablement pas de combat hein, puisque là, ils sont alliés. C'est là que ça va vraiment être difficile sur le flanc Okuri pour le violet et le cyan puisqu'ils peuvent se manger le vert et le jaune qui viennent, qui font du Macha, qui font du double jump de porte et qui viennent aider ici en Okuri. Ça serait du 4 contre 2 et là, ça va être chaud. De l'autre côté, s'ils font ça, ils ne pourront pas se battre en Kalsha. Et en Kalsha, ils vont manger le cyan et le rouge. Et là, ça va être très chaud pour eux. Donc, les plus grosses zones de combat vont être là. En Kalsha, en Okuri et même en Dimbrokro, hein, normalement, ils peuvent tenter des sorties. Bon, c'est peu probable puisqu'ils vont vraiment être occupés au sud en Okuri. Mais ça va être super intéressant à suivre ce KVK. Encore une fois, des gros royaumes en devenir. On retourne pour finir sur le 1256, les amis, puisqu'on n'a pas fait notre tirage gratuit. Je vous le rappelle, on se fait des petites stats en ce moment et je vous garde les tours gratuits. Alors, on fait le coffre en argent, c'est gratuit, ça fait plaisir. Je vous le rappelle, le coffre en or, n'hésitez pas à mettre vos screens. On en partage beaucoup sur le Discord d'ailleurs, donc n'hésitez pas à venir les consulter. Coffre en or gratuit, alors un coffre standard, j'ai 18 clés. Si j'ai 18 sculptures, c'est un bon tirage. Plus de 18 sculptures, c'est un excellent tirage. Moins de 18 sculptures, c'est un tirage éclataxe au troisième sous-sol. Pour le moment, sur tous les tirages qu'on a fait avec le tour gratuit, un seul seulement était décevant. Tous les autres étaient très très bons. Donc on regarde et un était vraiment au max de ouf. On ouvre le tour gratuit, on va faire 18 clés. Espérons qu'on ait le moins possible de sculptures de farmers parce que c'est la loose, hein, les Cléopâtre, les Céondéoc, on n'en a pas besoin. Tout ouvrir, allez, on regarde, oui, je veux mes 18. Et un tirage qui est un petit peu tout naze, puisque même carrément tout naze. J'ai 6 sculptures d'Ishida, ça sert à rien. Et j'ai des sculptures de Mulan. La Mulan, c'est de la balle. Allez, on confirme, on sort de tout ça. On finit, les amis, avec l'info maintenance. N'oubliez pas. Hop là, elle est en favori. N'oubliez pas les amis, demain, le 15 la maintenance, après-demain, mercredi, la maintenance, normalement, on devrait avoir les events un petit peu en avance sur certains serveurs, donc je vous les montrerai, mais c'est encore possible que ce soit décalé. Je pense que ça va être décalé à vendredi. On va voir, je prends les paris, elle est annoncée mercredi, le 15, je pense qu'elle va être décalée soit au 16, soit au 17. Je parie sur le 17 et demain, les amis, je peux déjà vous annoncer la vidéo. Le nouveau classement des commandants avec le classement en lettres hein, S, A, B, C. Mais attention, ce n'est pas le classement que vous retrouvez partout en ce moment que je vais vous montrer. C'est vraiment un classement qui vient d'ailleurs et qui est vraiment assez étonnant.
Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça fait vraiment très plaisir les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis. Et je vous dis à plus sur Rock.